Arrière, espèce de larve malfaisante, hyène. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Ben en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Oh. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidéra lui répondit. Vous savez, Fulgor, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non. Hein, quoi? Il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau! Oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang. Où est-il? Mes ongles se détachent. La mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentiel, ta pièce, originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Ben, je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a Lou adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Vous faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À trois, on appuie sur la touche envoi. Un, deux, trois! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piu! C'est dans le tuyau! Ben, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma nounoute! Ne dramatise pas, je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire, il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant, nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Ben oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein. Ça me détend. Tant mieux, mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkerstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou? Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais,
Bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Gretzel Blondilla. Hein? Et... Non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûre que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais... Mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui. Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais du lèche-vitrine maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. Hein? C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Et ta saucisson ravioli. Et même si tout se souffle, tu m'accroches dans ma tiroir. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folles hystériques qui... Je n'irai pas! Tu m'entends? Allô? Monsieur Demantin? Oh, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Ben, oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends, ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Oh.
comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence. La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition. Moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, hey, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte! Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles... Et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Allez voir un psy, jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy? Bravo! Merci beaucoup. Merci. Là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidera n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Mais ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère, qui nous afflige, qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent est de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui.
On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien, l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples? J'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ben, Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. T'es bloqué. Coucou. J'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif... Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais.
Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones. On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincue. On s'éloigne un peu de l'amour entre des peuples, il me semble. Oui, là, ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Ben vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre afro-boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh. Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Hé, hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. Thank you.
mécanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est, c'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait une heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête! J'ai dit non! Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis un an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. C'est sûr, c'est un truc aussi grave que ça. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très... comment dire? Conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah! Je voudrais que tu les aies si jamais... enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh, c'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Hé, ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça, le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais! N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula! Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'Amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial.
Désolé, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Ah ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Avenger ? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un indice ? Genre, c'est un secret sur machin ou sur bidule ? La théorie de la tectonique des plaques. Allez, vas-y ! Fais pas ton sphinx là ! En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques. Mais tu m'énerves à la fin ! Tu vas me dire ce secret, oui ou non ? Lou ? Pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques ? Richard Wagner ? Yeah ! Je suis sceptique Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Pas même toi, antibiotique. Tu te souviens de Marie-Laure ? La petite avec des chaussures à bruit. Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypocoristique. Tu te rends compte ? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypocoristique ? Aucune idée. Hey, t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse ? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf ? J'ai mon pipeau. Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain ? Yes, mon enfer. Mieux qu'à Abbey Road. Zéro en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé ? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi ? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret ? T'as pas dit que tu laissais tomber ? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza ? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok ? 3, 4... C'était carrément hypocoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Super-héros ? Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô ? Mina ? Ouais, c'est moi. Ça va ?
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations. C'était pour moi en fait. Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Hey, je l'ai vu, ce petit Avenger en fait. À la fin, il déroute les écoutes. Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bœufs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh. C'est un secret. Sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis, paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Il y a d'éléphants, une pluie de pétales de roses. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie. Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Ah, tu voulais
avait pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah, non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois. Désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais, ouais. Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire. Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner au papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre. Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors, tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant! Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle est ici à l'envers, hein? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que... elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe... Surtout ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bah, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous, vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub?
Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, hey, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. C'est bon, je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Pas étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Foutaise. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sous séparazione d'être venue avec son marito. Quoi? Robert est ici? Allô, Lou? Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faut qu'on rusait. Mouflon espiègle? Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et... Ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça, votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte?
Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisée pour le troisième âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon, maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça. On voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des familles du FEM. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non! Stephen Hawking, l'astrophysicien, ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique. Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? Je m'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, je... j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà, je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh, ben, à demain, salut. Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain, pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça, j'ai déjà assez les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà, comment dire? Ah oui, je sais, tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok, désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois? Et être ami, c'est ça aussi, savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles, ça va?
Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, 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 c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'ère de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, j'en ai une! Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflée? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une! Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète, se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. Eh, hey, t'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Ah, tu sais, il est bizarre, mais... il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, ben, je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin, bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Chenille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... c'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les chenilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Désolée pour ce que Mina t'a dit, c'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui. On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi, j'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Ben oui. Comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le dixième de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou? Comment ça va? Merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis, alors? Ben... si tu veux bien, oui. Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous?
quoi? J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non! C'est pas vrai! Je l'ai perdu! Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est la catastrophe! Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme! Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi! Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux! Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Non, mon stylo fétiche. Merci, Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais.